Bonjour à toutes et à tous, ici GearsHD et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur comment faire un logo sur Photoshop CS5. Donc pour commencer, on va aller dans Fichier, Nouveau et on va faire une largeur de 200 pixels de largeur sur 200 pixels de hauteur. Ensuite on fait OK et une image blanche apparaît. Donc on va mettre une couleur, donc moi j'ai déjà une couleur, c'est bleu marine un peu noir. Là on va choisir l'outil dégradé. Et sur cet outil, on va prendre un dégradé radial. Donc là on prend en haut et en bas, hop, et là on a un petit dégradé. Maintenant je vais prendre un render. Donc qu'est-ce qu'un render? C'est une image sans fond. Donc je vous mettrai un lien où on peut avoir des renders. Donc tout ça c'est des renders. Donc moi pour ce logo que je vais faire, je vais prendre deux renders, donc c'est les flammes, donc que je vais placer là, hop, et un autre render qui s'appelle abstract. Quoique non, je vais prendre celui-là. Bon, je sais pas trop ça, enfin, ça représente une genre de, je sais pas trop, ouais, bon. Bref, j'en fous. Que je voudrais mettre plus ou moins là. Hop, j'en ai là. Importer. Maintenant, je voudrais que ça suive avec mon fond. Donc, je vais aller dans Options de fusion. Incrustation ou couleur. Je vais mettre ce bleu là. Ok, et on va mettre 70%. Non, 50. 5. Ok. Hop. Et pour les flammes, pareil. Option de fusion. Incrustation de couleur. Le bleu là. Ok. 70, je vais mettre. Donc là, on a un petit. Voilà un petit logo normal. Maintenant, je vais prendre un texte. Hop. Hop. Et je vais écrire, je sais pas moi, texte. Ah, donc là, la police, à mon avis, elle est trop grande. 40, hop. Bon, c'est quoi ce bug, là? Je ne sais pas si c'est mon PC. Non, c'est pas mon PC, c'est la police qui était beaucoup trop grande. Excusez-moi, on recommence. Texte, voilà. Le texte, on va le passer. Non, on dit tout bas. Hop. J'ai rien dit. Et maintenant, le texte, on va lui donner du style en mettant des lueurs. Voilà, lueur externe, je n'aime pas trop, ça, elle éclaire un peu trop. En mettant un dégradé, moi je le mets radial. Une incrustation de couleur que je vais mettre ensuite, si tu veux. 70%. 55. Oh non, 70, c'est tout bas. Ok, et voilà. On a un petit logo. Et là, vous pouvez écrire un autre truc. Moi, je sais pas. HD, hop, pif. Hein. On peut aussi jouer avec le feu. Donc, regardez. Admettons, là, je vais le mettre là. Plutôt ici, là, comme ça. On va mettre la flamme au-dessus du texte HD. Et avec notre texte HD, on va aller dans Options de fusion, on va mettre une lueur. Pour faire ressortir un peu. Et on va faire pareil. Hein. Radial, incrustation, hop. Hop. Et voilà. Donc là, on ne voit pas trop, donc on peut le déplacer, par exemple, là, pour qu'on le voit un petit peu mieux. C'est comme vous voulez, hein. Après on peut le mettre au-dessus en mettant un truc là, comme ça, hop. C'est vraiment comme vous voulez, faites comme vous voulez. Donc voilà, ce tutoriel est fini. Je vous ai montré comment faire un logo
On va dire basique. Esthétique. Je ferai peut-être un autre tutoriel sur comment faire un background. Donc, je ne sais pas encore parce que ça dure quand même plus ou moins 10 minutes. On fait ça bien. Et bon, voilà, il y a déjà un tuto, enfin, y a déjà des tutoriels comment faire un background. Je pense pas que je vais le faire. Donc voilà, ce tutoriel est fini. J'espère qu'il vous aura aidé. Et on se retrouve très prochainement pour un autre tutoriel. Allez, à plus.